cette génération, basée sur le livre de Daniel au chapitre 3, est le thème d'un grand programme spirituel de 21 jours que le Seigneur Jésus a développé au sein des églises et cellules. Jésus revient afin de nous former, nous enseigner, nous informer sur l'état actuel de cette génération. En effet, il est à constater que la méchanceté prend une allure alarmante et inquiétante dans le monde, partout dans le monde, dans toutes les couches sociales. Et la méchanceté est vraiment à un degré élevé, comme le livre de 2 Timothée 3, à partir de verset 1er, peut le dire qu'au dernier jour, il y aura des temps difficiles. Les hommes deviendront de plus en plus orgueilleux, fanfarons, cruels, rebelles à leurs parents, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant la parole de la piété, mais reniant ce qui en fait la foi. Et nous voyons toutes ces choses-là dans nos sociétés aujourd'hui. Les prophéties continuent de s'accomplir. Le monde va de mal en pire. Il n'y a pas la paix, il n'y a que des difficultés et des souffrances. Et nous nous posons régulièrement des questions à savoir, où va le monde? Que deviendrons-nous? Où qu'allons-nous faire? Le Seigneur Jésus, dans son amour infini, pour répondre à toutes ces questions, il a suscité le groupe Jésus revient, qui est un groupe de réveil spirituel mettant l'accent sur l'évangélisation. Et dans ce programme, particulièrement à partir de ce soir, nous faisons l'évangélisation qui va se poursuivre jusqu'aux 7 jours, qui est la deuxième phase de ce programme. Alors le Seigneur Jésus nous envoie à aller sur le terrain, avertir encore ceux qui sont dans le monde, pour leur dire que les temps sont finis, c'est le moment de se préparer et de sortir dans ces fêtes païennes, de revenir à Jésus, se réconcilier avec Jésus-Christ. Puisque la parole nous dit dans le livre de Marc 16, de verset 17, que les miracles accompagneront tous ceux qui ont cru. Alors nous demandons au Seigneur Jésus de bénir sa parole par sa puissance, afin que les miracles, les guérisons et les prodiges se passent sur le terrain, pour la gloire de son seul nom. Alléluia. Allons-y. Et
Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth,
La fille que tu as couchée, elle n'est pas sortie avec les oreilles percées. Elle n'est pas sortie avec les cils doubles. Elle n'est pas sortie avec les cheveux de réserve. Alors toi, comme tu es trop créatrice, comme tu connais beaucoup, tu contestes avec le créateur. Tu dis à Dieu, oh c'est comme ça que tu devais me créer. Tu dis à Dieu, c'est comme ça que tu devais créer mon enfant. Les boucles vont te conduire en enfer. Les boucles vont conduire ton enfant en enfer. Repentez-vous, tu ne peux pas remplacer la chair que tu as enlevée. Quand tu perces sur l'oreille, tu ne peux pas payer la chair que tu as enlevée. Tu ne peux pas payer le sang qui a coulé. Repentez-vous, les temps sont finis. Repentez-vous, les temps sont finis. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Repentez-vous. 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 Il n'y a plus de temps. Arrête de contester avec ton Dieu. Tu ne peux pas sauver une âme. Tu ne peux pas créer. Tu ne peux pas créer. Repentez-vous, les temps sont finis. Repentez-vous. Regarde tes ongles. Est-ce que ce sont les ongles que Dieu t'a donné? Regarde tes ongles. Tu as mis les ajouts. Tu as mis les ajouts. C'est à cause de ça que vos vies sont contrôlées, mais vous ne le savez pas. Vos vies sont contrôlées par ces choses, mais vous ne le savez pas. Toutes les choses que vous portez sur vous, qui vont à la compte de la volonté de Dieu, vont contrôler vos vies. Ces choses sont fabriquées dans les œufs. C'est Satan qui envoie ces choses sur la terre pour venir vous empoisonner. Il est là pour empoisonner vos corps, pour que vous soyez avec lui quand l'enlèvement sera. Satan ne veut pas vous sauver. Satan ne veut pas que vous soyez sauvés. C'est pourquoi il va vous souiller. Il vous met ces fausses choses sur vous, pour vous souiller. Va à l'église, même si ton prophète est anciennet comment. Je te le dis en vérité, si tu meurs, c'est l'enfer. Si tu meurs, c'est l'enfer. Quel qu'en soit ton onction à l'église, vibre même comme tu veux. Si tu meurs avec les fossiles, les faux ongles, les mèches, les greffes, tous les ajouts, toi qui dépimentes ta peau, Dieu te crée noir, tu deviens bleu, tu deviens noir, tu deviens je ne sais pas quoi. Repentez-vous, les temps sont finis. Mettez-le-là dans vos vies. Tu connais tes relations. Tu connais ce que tu fais dans le secret. Moi, je ne connais pas. Mais Dieu connaît. Moi, je ne connais pas, mais Dieu connaît. Regrettez le péché. Abandonnez le péché. Cherchez les choses d'en haut. Laissez les choses d'ici-bas. Laissez les choses d'ici-bas. Dieu a détruit la terre dans le Noé. Et ces choses sont sur le point de te reproduire. Que fais-tu? Est-ce qu'on t'enseigne ces choses? On t'enseigne seulement voyage. On t'enseigne prospérité. Oh, miracle. Oh, mariage. Tu ne sais pas les choses qu'on vous enseigne. On ne peut pas te dire que le péché va te tuer. On ne peut pas te dire que le mensonge va t'amener en enfer. On ne peut pas te dire que la relation sexuelle va te faucher. Mais ils sont contents. Ils ne peuvent pas vous enseigner. Vos pasteurs connaissent ces choses. Ils ne vous enseignent pas ces choses. Parce qu'ils savent que vous allez fuir leur église. Le pasteur que tu as ne peut pas t'enseigner ces choses. Parce qu'il sait que tu vas vider l'église. Il est avec toi parce que c'est ton agent. Parce que tu connais donner les dîmes, les offrandes. Il sait pourquoi il est avec toi. Repentez-vous, il n'y a plus de temps. Jésus-Christ t'aime et il veut te sauver. Viens à Jésus. Si tu entends ce message, même maintenant, tu peux venir. Si tu entends ce message, même maintenant, tu peux venir. Viens à venir. Tu as quoi faire. Les temps sont véritablement finis, il n'y a plus de temps. Peuple du V2, Jésus-Christ est sur le point de faire son entrée. La mort, lui, ça vient à tout moment. Revenez, arrangez vos vies. Mettez de l'ordre dans vos vies. Vous avez reçu les brochures, ou bien vous voulez qu'on passe les contacts. Je vous en supplie, c'est important. C'est important. Beaucoup de pasteurs ne prêchent pas ce qu'on prêche. Parce qu'ils savent que s'ils vont vous dire qu'on a laissé ceci, vous allez fuir. Et hop, ils vont pas. Jésus a dit que là où deux ou trois sont en son nom, il est au milieu d'eux. Mais aujourd'hui, on voit la foule. La foule. Ça, c'est bien. Il faut que ça brûle.
ça brûle complètement. Ça brûle complètement au nom de Jésus. Ah, ça brûle bien, mais c'est oublié, ça peut cacher. Si tu as les problèmes, ma soeur, n'aie pas honte. J'ai un problème, mon père. On peut sauver. Comme dans l'école, je vais arrêter l'alcool. Oui. Quand il dit que j'arrête, va un peu là-bas. J'ai fait deux fois que j'arrête, je recommence l'alcool. Donc, je dis que l'alcool, ça a besoin de dépenses. Tu as une fois que je vais boire la bière. Au lieu d'acheter le savon ou bien quelque chose. C'est mon problème et ça m'a créé des problèmes avec mon mari. Quand je n'ai pas vu, nous sommes bien, mais dès que j'ai vu, je viens les deux. L'alcool, il faut qu'on vous enseigne dans ces choses. L'alcool, parce que beaucoup ont crié, s'il vous plaît, beaucoup ont un verset qu'ils ont eu à crier que Dieu, Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. Mais quel est le vin que Jésus-Christ a eu à transformer? Est-ce que c'est le fofo? Est-ce que c'est le est-ce que c'est ce qu'on boit maintenant là? Quand vous allez boire, bien voir ce message, le message parle du, il dit que Jésus-Christ, le maître de la fête dit que tu as gardé le meilleur vin afin que le mauvais vin puisse venir. Ça veut dire que Jésus-Christ a fait un bon vin, un vin qui n'enivre pas. Et dans le monde spirituel, ce sont des urines, des démons qui est rempli dans la bouteille de magnan que vous voyez là, les 33. Les urines des démons. C'est pourquoi tu ne peux pas, même si tu fais quoi, tu ne peux pas de toi-même. Jésus va te libérer. Jésus va te libérer. Il m'a libéré. Il peut faire de même dans ta vie. Moi, je buvais. Mais c'est depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. Je ne vis pas. Oh, si je ne bois pas, c'est... moi, je vis jusqu'à aujourd'hui. Voici ma femme. Nous sommes mariés officiellement, c'est marié en 2020. On n'a pas de problème là. Jésus va vous restaurer. Jésus va vous restaurer. Et je ne peux pas te dire de commencer à prier, parce qu'il y a des choses que tu dois arrêter. Il y a des choses que tu dois te séparer. Il y a beaucoup d'oreilles que tu as. Ce sont des caméras dans le monde spirituel. Vous savez ce qui se passe dans la nuit? Quand tu pries, Hosanna, Jésus vient, viens. Jésus vient. Les anges viennent. Mais les démons vont venir. Ils ont le code de tout ce que vous avez sur vous. Ce que vous dites, le code, les mèches dans le monde spirituel ont code. Ils tapent le code, ils entrent sur vous. Jésus ne peut pas les arrêter. Jésus est saint. Dès qu'il va vouloir les défendre, il dit qu'elle a notre chose. Elle nous appartient. Automatiquement, Jésus laisse. C'est pourquoi tu vas voir, tu vas prier comment? Tu vas toujours retomber. Parce qu'il y a quelque chose de chez eux, chez toi. Les mèches, les greffes. Soit, regarde ma femme, elle est naturelle. On se oint le mignongue. On se oint le beurre de karité. Il y a le beurre de karité que tu dois te oindre. Il y a le mignongue, tu te oins. Là, voilà. Et il n'y a pas de mèche sur sa tête. Tu la sens là, elle ne sent pas parfum. Moi, il n'y a pas ça chez moi. C'est par ces choses que le diable nous contrôle. Oui. L'huile qui sent bon si. Vous savez comment fabriquer l'huile? Les âmes qui sont écrasées en enfer, on recueille leur jus. Ça passe dans l'air. Montez-moi là où on fabrique les huiles ici. Moi, je ne connais pas une société qu'on fabrique l'huile, mais on voit les huiles chaque fois. Vous voyez, chaque fois, on fabrique les faux ongles, les fossiles. On fabrique ça à base de quoi? Personne ne connaît. Tellement que c'est beau, parce qu'on a vu le voisin ou la voisine avec, il faut aussi porter. Non. Donc, demain je serai ici pour un moment d'échange. On va échanger, on va s'asseoir. Je serai ici demain. Si vous n'avez pas eu le traité, je peux vous donner mon numéro. Mais je vous rassure, à 17h demain, si Dieu permet, si le monde ne s'arrête pas cette nuit, demain je serai ici pour un moment d'échange. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Enlevez, débarrassez-vous. Mais maintenant, tu enlèves. Ne regarde pas, n'aie pas honte. Enlève. C'est un esclavage. Enlève. Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu du réveil est là.
Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu du réveil est là. Que toutes les nations se préparent. Que tous les saints se mobilisent. Que tous les élus se rassemblent pour accueillir le roi de gloire. Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu du réveil est là. Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu du réveil est là. Que toutes les nations se préparent. Que tous les saints se mobilisent. Que tous les élus se rassemblent pour accueillir le roi des rois. Que toutes les nations se préparent. Que tous les saints se mobilisent. Que tous les élus se rassemblent pour accueillir le roi des rois. Alléluia! Jésus! Pousse des cris de joie à l'homme, frère, ma soeur. Jésus! Alléluia! Jésus! Nous bénissons le Seigneur Jésus. Jésus! Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Pour tout ce que tu as fait en cette soirée. Merci. Merci pour le souffle de vie, la santé, la protection. Alléluia, que tu nous accordes. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, Jésus t'aime. Et il fait que tu mettes de l'eau dans ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Seulement. Parce qu'après ta mort, il n'y a plus de grâce. Amen. Pour ceux qui sont morts, c'est fini. Mais tant que tu es encore vivant, tu as encore la possibilité d'arrêter la mauvaise vie. Tu as la possibilité de tout arrêter tant que tu es encore en vie. Tu as la possibilité d'arrêter la fornication, la possibilité d'arrêter la masturbation, d'arrêter le vol, d'arrêter la corruption, d'arrêter l'adultère. Tu as encore la possibilité tant que tu es vivant. Après la mort, c'est fini pour toi. Parce que la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après qu'on vient le jugement. Alors mon frère, ma soeur, tu te voilà averti. Ne blague plus avec ta vie. Mets ta vie en ordre avant qu'il ne soit trop tard. À quoi sert-il à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Shalom, 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 shalom. Jésus. Tout le monde a péché. Dans
C'est pour cela que nous sommes dans la gloire de Dieu. C'est pour cela que celui qu'on appelle Jésus-Christ, mon mignon aussi à nous. Vous êtes un Dieu. Vous êtes vous croyez à Dieu. Mais vous n'aimez pas la parole de la vérité. Vous n'aimez pas que quelqu'un vous dise de marcher dans la sainteté. Vous n'aimez pas qu'on te dise porte les habits des saints. Alors quel Dieu tu adores? Je te dis, le feu de la fête t'attend. Car celui qui se moque de Dieu, tout ce que tu sèmeras, tu vas le moissonner. Si tu marches dans le copinage, tu vas récolter le feu. Quand tu couches avec ton copain, tu t'embrasses avec ton copain, et tu n'es pas dans le mariage, Dieu est en colère. Et il t'appelle. Le monde est corrompu. Le monde est dans le péché. Nul ne veut servir Dieu. Mais toi, Jésus t'appelle ce soir. Il veut que tu sors du péché. Les temps de Noé arrivent. Mais je te dis ce soir, accepte Jésus-Christ.
l'homme Jésus-Christ. Si tu vas sauver ton âme, le Christ rouge le accepte Jésus-Christ. L'homme Jésus-Christ. Si tu vas sauver ton âme, le Christ rouge le accepte Jésus-Christ. L'homme Jésus-Christ. Si tu vas sauver ton âme. Alléluia, shalom, 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 peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur Jésus pour votre vie. Je rends grâce à Dieu pour tout. Gloire à Jésus. Même sans traiter, on sort, on sonne la trompette. Gloire à Jésus. On sort, on sonne la trompette. L'âme que le Seigneur met sur mon chemin et qui met la parole dans ma bouche, je lui parle de l'arrivée du notre Seigneur Jésus. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur met les âmes. L'ennemi croyait m'avoir eu en me disant, tu n'as pas de traité et tu ne t'en sors pas en langue. Qu'est-ce que tu vas aller dire? J'ai dit, Seigneur, je vais sortir et marcher. Le monde fait le 100 pas, mais moi je ne veux pas faire le 100 pas, mais je vais sortir et marcher. Mets devant moi. Même si c'est une seule âme, avant que la journée ne soit pas en vain, parce que tu avais laissé 99 brebis pour aller chercher les uns qui étaient perdus, comme le fils prodige. Laisse-moi aller rencontrer ce fils prodige. Et le Seigneur est en train de mettre sur mon chemin. Allô, Jésus-Christ, le Seigneur est en train de mettre sur mon chemin les âmes, vraiment. Les âmes perdues, même si c'est deux personnes, que de rester à la maison. Gloire à Jésus. On doit dépeupler le monde. On doit dépeupler le monde. On doit dépeupler. Et je bénis le Seigneur parce que je lui ai demandé au moins une seule âme. Au moins une seule âme. Mais le Seigneur fait grâce. Le Seigneur fait grâce. Le Seigneur fait grâce comme ça. Je suis comme ça en ville. Comme ça en ville. Gloire à Jésus pour annoncer la bonne nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Voilà, peuple de Dieu, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, je vais sonner la trompette pour les âmes perdues, toujours dans ma ville, à Metz. Alléluia, gloire à Jésus. Je présente Nadia. Elle a accepté Jésus, elle aime Jésus et elle a accepté que je prie pour elle. Au nom de Jésus-Christ, par ta grâce, par ta bonté, Seigneur Jésus, tu connais son problème. Seigneur, qu'elle soit guérie sur le champ, Seigneur. Ses problèmes de pulmonaire, ses problèmes respiratoires, Seigneur. Ses problèmes de jambes, Seigneur. Par ta grâce, par ta bonté, Jésus-Christ de Nazareth, que Nadia soit guérie au nom de Jésus-Christ. Que Nadia soit délivrée de toute autorité satanique, de tout esprit de maladie, de toute influence maladie, de toute addiction maléfique, de tout ce qui s'est passé dans son passé. Seigneur, par ta grâce, par ta bonté, Seigneur, qu'elle soit délivrée de tout mal. Seigneur, guéris-la, Seigneur, qu'elle soit restaurée au nom de Jésus. Qu'elle soit restaurée au nom de Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Qu'elle soit délivrée, Nadia. Nadia, par ta grâce, par ta bonté, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Que tu mettes ta main sur elle. Que la puissance de Jésus-Christ manifeste en puissance dans Nadia. Que la puissance de Jésus-Christ manifeste en puissance sur Nadia. Seigneur Jésus-Christ, manifeste en puissance sur Nadia. Saint-Esprit, prends contrôle. Saint-Esprit, prends contrôle. Saint-Esprit, prends contrôle. Saint-Esprit, prends contrôle de son corps, de son âme, son esprit. Qu'elle soit totalement délivrée. Qu'elle soit totalement délivrée. Qu'elle soit totalement délivrée. Qu'elle soit délivrée de tout esprit qui la handicape, qui l'a rendue malade.
malade, tous les démons de maladie soient arrachés de son corps. Tous les démons de maladie soient arrachés de son corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'elle soit délivrée maintenant. Qu'elle soit délivrée maintenant. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ. La puissance de Dieu manifeste. La puissance de Dieu manifeste. Tout esprit maléfique qui manifeste dans cette femme soit arraché maintenant. Soit arraché maintenant. Soit arraché maintenant. Par le nom puissant de Jésus-Christ. J'enlève tout esprit maléfique. J'enlève tous ces démons maléfiques qui l'ont rendu malade maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que tu fasses grâce à cette femme. Elle prie ton saint nom, Seigneur. Délivre-la, Seigneur. Par ton nom, ton saint nom, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Louange à ton saint nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Seigneur, fais grâce à cette personne. Qu'elle soit guérie. Que je la vois dans les jours ou les semaines à suivre. Qu'elle ne porte plus son problème, son tuyau respiratoire, que ses poumons soient restaurés, que ses poumons, son nez et ses poumons sont restaurés par la puissance de Jésus-Christ. Seigneur, que la puissance de Jésus-Christ manifeste, qu'on entende parler de toi, Seigneur, de ta gloire, de la guérison de cette personne, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur, qu'elle soit totalement guérie, qu'elle soit totalement guérie, qu'elle soit totalement guérie, qu'elle soit totalement guérie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tu peux marcher maintenant. Marche normalement, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, qu'elle marche. Marche. Soyez. Mais tes poumons, comment ça va? Ah ben, je vous le dirai dans quelques jours. Là, tu te sens comment? T'as senti quelque chose? Non. Bon, que Dieu te bénisse. Il va agir tout doucement. Il va agir. Il va agir dans ta vie, mais il va agir dans tes poumons, dans ton corps, au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, tu verras la gloire de Jésus-Christ dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Laisse-moi te dire,
aujourd'hui est né. Mais qui ne sait pas le jour où tu vas mourir. Dis-moi, entre hier, aujourd'hui et demain. Dans ces trois jours. Si tu ne sais pas, je vais te le dire. C'est hier qui est pour toi. C'est hier terminé déjà. Mais aujourd'hui ne t'appartient pas. C'est quand tu vas finir cette journée que tu sauras que tu as fini. Dis-moi qui suis ici, je ne sais pas si je vais finir cette journée. Mais mon souhait c'est de finir la journée. Mais tout dépend du Créateur. Et il s'appelle Jésus-Christ. Alors si tu ne mets pas ta confiance en ce Dieu, tu n'es rien. Tu peux avoir des étages, tu peux avoir des parcelles, je m'en fous. Gratuitement ce qui peut te sauver. C'est Jésus qui peut te sauver. Oublie tes pensées. Oublie tes pasteurs. Oublie tes évangélistes, tes prophètes. Ne dis pas non, chez moi on n'a pas refusé boucle d'oreille. Chez moi on n'a pas refusé béni. Est-ce que c'est ton pasteur qui allait à la croix pour toi? Est-ce que c'est lui qui va te juger? Répondez-vous. Puisque je tiens ma main et que personne n'y prend garde, Jésus te tend la main aujourd'hui. Saisis maintenant la main de Jésus. Et Jésus s'y a rendu. Accepte la main tendue de Jésus. Il peut nous aller, Jésus. Accepte ta main. Il peut nous aller. Et dis. Voilà. Puisque vous rejetez mes conseils. Aujourd'hui, Jésus te conseille. D'abandonner les mauvaises pratiques. Jésus te conseille. D'abandonner les souillures de ce monde. Jésus te conseille. D'abandonner la prostitution. Jésus te conseille. D'abandonner la fraude. D'abandonner la cupidité. Tu as votre trop. Tu as votre trop. Chaque mois, c'est toi qui as votre. Oh, la parole de Dieu. Je me moquerai. Quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira. Comme une tempête. Et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse prendront sur vous. Alors ils m'appelleront. La parole de Dieu dit. Ils m'appelleront. Ceux qui ne veulent pas appeler le Seigneur aujourd'hui de la vie. Je vous assure. Après le mort. Vous l'appelez. Après le mort. La parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit. Ils m'appelleront. Et je ne répondrai pas. C'est de ton vivant. Tu peux appeler le Seigneur. Et le Seigneur va te répondre. C'est de ton vivant. Maintenant que tu es vivant. Appelle le Seigneur. Il va te répondre. Il est capable de te sauver. Il est capable de te sauver. Je te dis la vérité. C'est de ton vivant que tu as appelé. Ceux qui ne l'ont pas appelé. Et qui sont morts. Tous les corps sont amenés dans les églises.
ils ne seront jamais sauvés. Parce qu'on a prié sur le corps. On a prié sur l'âme. Le corps va sur la terre. Et l'âme, c'est soit le ciel. Ou bien l'enfer. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. La parole de Dieu dit, ils me chercheront. Et ils ne me trouveront pas. Je te dis la vérité. Il y a un temps pour chercher Dieu. C'est de ton vivant que tu vas chercher Dieu. C'est de ton vivant que tu vas l'invoquer. C'est maintenant que tu es vivant que tu vas l'appeler. Maintenant que tu es vivant que tu vas dire Seigneur, Jésus, me voici. Me voici Seigneur. Voici le pécheur. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Et il va te sauver. Il va te sauver. Il est prêt pour te sauver. Quelle est la situation dans laquelle tu es? Quel péché te lie? Quel péché te lie? Le Seigneur est capable de te délivrer. Il est capable de te délivrer de ce péché. Je te dis la vérité. Le Seigneur dit, ils me chercheront et ils ne me verront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Les gens ne craignent plus Dieu. Quand bien ils sont dans les églises, ils ne craignent plus Dieu. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. On n'a pas dit ceux qui seront à l'église. On dit ceux qui vont donner la vie à Jésus. Regardez combien de communion tu as pris. À quoi on a fait ça?
preuve lui-même à son âge. Est-ce que tu es sanctifié? Oh, docteur, on va dire. La Bible nous a dit ça, la sanctification, nul ne peut aller au Père. Donc, ma foi dans le miracle, on va dire, mais vous avez fait des produits sanguins. Le voleur, la croix, il a pris communion avant d'être sauvé. Adjoteur, la croix de Dieu, il a pris communion. Le voleur, la croix. Il s'est bien sorti de ses péchés. Et il reconnaît que Jésus-Christ est le unique Dieu. Jésus-Christ, il va y aller, mais il est là. Je l'ai dit. Est-ce qu'il a pris communion? Et il communion à Dieu, quand même. Répète-toi. Mais lève-toi. Répète-toi de ta péché. Car le Seigneur ne veut pas ça pour toi.
Le Seigneur ne veut pas ça pour toi. Oui, les fossiles. Les maquillages. Je te dis, le Seigneur ne veut pas ça pour toi. Répands-toi. Répands-toi, c'est ça. Oui, toi qui dis que moi je vais mourir dans telle église. Oui, mais elle est dans l'église. Pourquoi? Ne va pas mourir. Elle est dans l'église. Tous les jours qui est fait pour chrétien. Tous les jours que tu es réveillé. Tu vas dire alléluia. La parole de Dieu déclare. Jésus ne veut pas que tu péris en enfer. Je suis venu pour vous affaiblir.